D'être ici là. Amen. Ok. Le pasteur Serge a un message pour nous. Les enfants, le jeu est fini. Le pasteur Serge a un message pour nous. Et comment nos frères et soeurs du palais. Si vous voulez écouter mieux, c'est sûr qu'il faudra descendre. Je ne saurais pas crier jusque là-bas. Ok. S'il vous plaît, venez tout le monde. Les jeunes, c'est fini le jeu, s'il vous plaît. Hey, hey. Attendez-moi, c'est bon, je suis là. Gloire à Dieu, tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Pour le frère Agnès, le frère Achille et la sœur Agnès. Amen. Le Seigneur leur a fait grâce. Ils se sont mariés. Ils ont acheté leur maison. Et aujourd'hui, ils ont ouvert leur porte pour recevoir leur famille que vous êtes. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous allons avoir du bon temps avec eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un moment? Alléluia. Donc je vais saisir cette occasion pour partager juste deux passages de la Bible. J'aimerais avoir toute votre attention. Amen. Et si vous c'est ok pour vous, on va élever nos voix, on va prier. Amen. Je vais partager pendant à peu près 10 minutes. Et après, vous pourrez manger. Amen. Et je sais qu'il y en a qui ont très faim. Et je sais que j'ai goûté à ce barbecue. Il est trop bon. Amen. Donc, je ne vais pas beaucoup vous faire attendre. Amen. Le premier passage dans lequel je voudrais aller, c'est dans Romains chapitre 5, versets 20 à 21. Et je vais le lire pour tout le monde. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Romains chapitre 5, versets 20 à 21. Amen. Est-ce que vous connaissez des gens particulièrement méchants? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont tellement méchants que vous avez peur d'eux? Des gens qui font des choses occultes, qui font ce qu'on appelle chez nous la sorcellerie. Amen. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est plus grande que le plus grand de tous les péchés.
Et ce verset vient nous dire qu'il n'y a pas un seul homme sur la face de la terre que Dieu ne peut pas sauver. Dieu ne désire qu'aucun méchant périsse. Je vais vous dire, Dieu ne voulait pas que Hitler périsse. Dieu ne voulait pas que les gens qui ont été abattus par un terroriste récemment aux États-Unis, Dieu ne voulait pas qu'ils meurent. Et ce n'est pas la volonté de Dieu quand on se réjouit, même si quelqu'un de très méchant meurt. Parce que c'est une perte pour Dieu. Il n'y a pas un seul méchant sur la face de la terre qui meurt et les anges de Dieu se réjouissent. Dieu veut que tous soient sauvés. Je ne sais pas quelles sont les batailles que vous connaissez dans votre vie en ce moment. Mais je sais une chose. Vous pouvez avoir la victoire dans vos batailles. Peut-être à force de faire les mêmes choses que Dieu n'aime pas, vous êtes découragé. Peut-être plus vous faites ce que Dieu n'aime pas, plus vous êtes découragé. Mais Dieu ne veut pas que votre péché vous détruise. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Il n'y a pas un seul homme sur la face de la terre que Dieu désire voir en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. C'est pour dire que si quelqu'un se retrouve en enfer, il sera dans sa cellule avec un démon. Parce que toutes les places en enfer étaient réservées rien qu'aux démons. Mais la Bible dit que l'enfer s'élargit tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens refusent l'amour de Dieu. Vous savez, les hommes qui ont commis le plus grand péché sur la face de la terre, ce sont ceux qui ont fouetté et crucifié Jésus. Ce sont ceux qui ont levé leurs mains pour fouetter le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais la Bible nous dit quelque chose qui est très étonnant. Quelque chose qui est très étonnant. Luc 23, verset 33 à 35. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » जब तिनीहरूको खपरे जब तिनीहरू खपरे भन्ने ठाउँमा आए तब त्यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टागे र ती अपराधीहरू मध्ये एउटालाई
दाहिने पटी र अर्कोलाई देब्रे पटी क्रुसमा टाके अनि येशूले भन्नुभयो हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्छन् सो जान्दैनन् अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्र भाग गरेर चिट्ठामा हाले मानिसहरू उभिएर हेरिरहेका थिए शासकहरूले उहाँको छट्टा गर्दै भने यसले अरूलाई बचायो यो परमेश्वरका ख्रीष्ट तथा उहाँको चुनिएका जन हो भने यसैले आफूलाई बचाओस् Amen. Le Seigneur à la croix, il a démontré une chose. Son intention n'est pas de condamner. Son intention ne sera jamais de condamner. Son intention n'a jamais été de condamner. Mais si on vit dans le péché, c'est nous qui nous condamnons nous-mêmes. Si quelqu'un d'entre nous se retrouve en enfer, c'est parce qu'il a choisi de rejeter la vie éternelle avec Dieu. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Ce n'est pas dans son plan. Mais il dit ceci. Parce qu'il respecte notre choix. Il dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Amen. Et il te dit ceci. Choisis la vie afin que tu vives. C'est pour dire que ce qui va t'arriver après cette vie, c'est toi qui auras choisi. Ce ne sera pas de la faute de ton voisin. Ce ne sera pas de la faute de ton pasteur. Ce sera toi qui auras choisi. Peut-être tu vas dire, je ne choisis rien. Si tu ne choisis pas la vie, tu n'auras donc pas la vie. Mais si tu ne choisis pas la mort, et que tu n'as pas choisi la vie, tu auras quand même choisi la mort. La mort va s'imposer. Dès que tu dis non à la vie, la mort est là comme la seule et unique deuxième option. Dieu dit à quelqu'un, choisis la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut choisir la vie ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer l'éternité avec Jésus aujourd'hui? Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Laisse Jésus effacer tous tes péchés en te faisant baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous avons
une piscine vide ici. Amen. Mais il y a une baignoire pleine à eau. Donc si tu veux être baptisé aujourd'hui, on peut aller à l'église, tu vas être baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de tes péchés. Et quand on va prier pour toi, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et tu vas parler en d'autres langues. Parce que Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ne vous réjouissez jamais quand un méchant est tué. Ne vous réjouissez jamais quand un homme méchant meurt. Ne priez pas pour que Dieu détruise quelqu'un qui est méchant. Parce que le jugement que vous prononcez sur autrui, on le prononcera aussi sur vous. Amen. Dieu nous aime. Et il veut que nous soyons tous sauvés. Que tu sois bon. Que tu sois juste. Que tu sois injuste. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il veut te sauver de ton péché. Pour t'amener dans sa justice pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi si tu ne te répands pas, si tu n'abandonnes pas tes mauvaises voies, tu vas mourir dans ton péché et ce sera ta faute. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Parce que le salut de Dieu se trouve dans la repentance. Le poulet et le barbecue est posé là. Et on te dit, si tu veux manger, choisis de manger le barbecue ou choisis de manger le gazon. Mais si tu veux le goût du barbecue, je te recommande de manger le barbecue parce que le gazon ne goûte pas comme le barbecue. Même si on verse la sauce de barbecue sur le gazon ne va jamais être du barbecue. Le seul moyen de manger le barbecue, c'est d'aller le chercher et le manger. Ou de demander et on te le donne. Amen. C'est pareil avec la vie éternelle. Peut-être tu as créé ta façon à toi dans ta tête d'être sauvé. Mais Dieu a créé sa façon à lui pour ton salut. Tu peux seulement recevoir le salut. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Parce que Jésus seul a payé le prix pour que tu sois sauvé. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Choisis la vie afin que tu vives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus Christ Kunama. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vous souhaiter un bon appétit.
Si quelqu'un a des questions, il peut venir me voir à côté. Je crois que le meilleur moyen pour se servir, c'est un rang pour les enfants, un rang pour les femmes et un dernier rang pour les hommes. Et bon appétit à tout le monde. Merci. Que Dieu vous bénisse. Thank you.